Bien sûr, à toi Elvie. Donc, comme demandé dans ta vidéo, annonce, etc., etc., tu nous as demandé de construire une maison pour ta partie hardcore, donc c'est fait. Donc, j'ai déjà uploadé une vidéo de cette maison, mais j'ai fait une nouvelle version, donc voilà. Donc, j'ai refait les mesures, c'était pas les bonnes malheureusement. Donc, ça fait 16 de longueur sur 11 de largeur. Et donc, tu peux voir que j'ai vraiment tout modifié. Et pour faire ça tout joli, tout joli. Donc on est à l'entrée, donc il y a une petite arche. Donc je te laisse admirer la façon dont c'est fait. Voilà. Donc ici, petite subtilité, c'est des escaliers inversés, un bloc, escalier inversé. Là, j'ai mis des redstone lamps. Là, il y a une dalle, ici et ici. Donc ça fait une petite entrée éclairée avec une petite carpette. Une petite carpette, oui. Donc dans les côtés, enfin dans les coins, j'ai mis des barrières en bois simplement. Là j'ai mis un petit angle comme ça pour faire une petite ouverture pour voir dans le coin au lieu de mettre une grosse fenêtre qui prend de la place. Enfin tu peux mettre une fenêtre, c'est pas dérangeant, mais moi j'aime bien, ça fait un petit côté aéré. Donc là on a un côté, donc l'autre côté c'est identique, donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc là on a ça. Donc on a une petite fenêtre, une petite baie vitrée de 3 de hauteur. Donc là t'es pas obligé de mettre ça, mais voilà, c'est un petit éclairage. Donc là le côté je te laisse regarder, et pour la peine je vais casser ça pour que tu vois bien comment c'est fait. Voilà, je pense que tu as vu. Alors là le côté ici c'est la même chose, et donc derrière t'es pas obligé de mettre tout ça, hein, toutes les fleurs qui sont inutiles, ça ne sert à rien. C'était un petit côté décoration, hein, voilà. Donc au milieu, on a une petite double fenêtre. Donc pour voir à ras du sol, parce que comme tu as vu, les fenêtres de derrière sont à 2 de hauteur. Donc voilà, c'est pour changer un petit peu. Donc il y a des escaliers inversés encore par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Et donc là, comme je l'ai dit, le deuxième côté est identique. Donc... je fais bien le tour de la maison. Je m'arrête 2 secondes. Je te laisse regarder comment c'est fait. Donc voilà. Encore un petit tour. Donc derrière c'est comme ça. Et donc on va passer en vue hauteur. Donc au-dessus. Il y a des barrières, donc c'est pour faire un petit observatoire au cas où si tu as des problèmes de monstres autour, hein, tu peux observer tous les côtés, c'est vraiment sympa. Moi j'ai pas fait l'ouverture, hein, ça sera à toi de la faire. Enfin si t'as envie de le faire, déjà t'es pas obligé de mettre les barrières, hein. Donc voilà. Et donc j'ai fini cette présentation de cette maison. Donc l'intérieur, ma foi, est assez grand, je vais éclairer un peu, excuse-moi. Les torches, c'est ici. Voilà. Et donc là, j'ai mis des escaliers inversés ici. Là, tout le long, pour faire une petite démarcation. Et parce que simplement, derrière, il y a les lampes en redstone pour les redstone lamps. Donc voilà, c'est la petite subtilité pourquoi j'ai inversé. Enfin, j'ai mis des escaliers un petit peu inversés. Donc là, il y a de la place pour un deuxième étage. Ici, à partir d'ici, je pense. Tu peux mettre des dalles et faire un étage complet, un grenier, quoi, pour avoir de la place pour tous tes coffres. Ouais, je pense qu'il y en aura largement assez. Donc voilà. Et bah écoute, Elvidia, j'espère que cette maison t'aura plu. Je la trouve vraiment sympa. Pas superflu, c'est pas une grosse maison, c'est une maison très moyenne. Donc de taille moyenne, hein, écoute, pas très compliqué à réaliser. Et donc voilà, j'espère que ça te plaira. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très très bientôt. Merci à toi aussi pour toutes tes vidéos. Bye à toi, salut.